Tout à fait, c'est pour ça. Avec la saison de pluie, ce qui sera intéressant, surtout pour nous, c'est la gestion des déchets ici. Parce que cette mangrove de Bel Air se retrouve justement aux abords du lit principal de la rivière Amboin. Ce qui veut dire qu'avec la mauvaise gestion des déchets plus haut, on retrouve beaucoup de déchets plastiques, beaucoup de bouteilles plastiques qui viennent en fait se poser dans la mangrove et puis les racines à échasse sont obligées de les retenir. Donc ça nous donne un double travail, surtout pour la jeune plantation que nous avons, parce qu'à un moment donné, les déchets plastiques viennent casser les nouvelles plantes et on est obligé de reprendre tout à zéro. Lorsque les mangroves ou les palétuviers sont détruits, c'est source d'inondation, c'est pour cela que je fais allusion à la saison des... Absolument, source d'inondation parce que la mangrove ne joue plus son rôle, elle ne joue plus son rôle d'éponge, elle ne retient plus de l'eau. Et en même temps, indépendamment de cette inondation, il y a pénurie de poissons. La valise Anna, pour instrument. Nous avons donc la solution du pH. À vue d'œil, lorsque je prélève mes données, je constate un changement au niveau du pH, parce qu'on ne se base plus sur le pH. C'est le pH qui est notre indicateur le plus important. Rappelez ce que c'est le pH. Le pH, c'est le potentiel d'hydrogène. Le potentiel d'hydrogène de l'eau, c'est ce qui sert normalement des eaux de bonne qualité. Voilà, c'est ce pH qui nous indique réellement si l'eau est de bonne qualité ou non. Et cette eau-là était de bonne qualité pour les écosystèmes? Je dirais non, parce que à l'œil nu, je dirais non, parce qu'on y trouve des déchets ménagers. Je dirais que non, elle n'est pas de bonne qualité, elle est déjà plus ou moins touchée par la pollution. Voilà, donc ça c'est juste d'une manière ramassée comme ça, mais tout va se déterminer au niveau du laboratoire. Alors c'est le laboratoire qui nous déterminera tout à travers cet instrument.